Ok, salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion. On est là pour faire des fusions, c'est le slogan. Donc aujourd'hui je vous ai ramené une masterclass dans le street workout les gars. Vous êtes nombreux à nous avoir demandé de faire du street sur la chaîne. C'est aujourd'hui que ça se passe et on est avec Thomas Ranieri. Donc je vous laisse se présenter. Oh t'as presque bien prononcé. Mais Thomas Ranieri. Non, Ranieri, ah tu es italien? Moi aussi, putain, comment ça se fait? Calabre. Moi je suis même plus Sicile je crois. Ah bon, ouais. Moi j'ai jamais allé en Sicile en vrai. Bref, tu es là pour faire quoi là? Une petite séance là? Alors... Moi je t'explique, je suis un go muscu, ouais. Le street j'ai jamais connu. Je m'entraîne de temps en temps dans des parcs quand il fait beau, mais je vais jamais flex à faire des front levers ou des figures, tu vois, ouais. Ou même un entraînement pur street workout, je connais pas. Donc je veux que tu montres ça. Ouais, ça, pas de soucis. On va voir un peu ce que tu vois. On va un peu tester quelques petites figures. Après moi je suis pas un pro des figures, hein. Je suis plutôt dans le set and rep. Donc tout ce qui est entraînement, série, répétition au poids du corps, prendre du muscle, gagner surtout en endurance musculaire. Et toi, charbonner un peu, je comprends bien. Ouais, on va un peu taper dans les muscles. On va voir si y a un gros muscle, parce que t'es quand même quelqu'un d'entraîné. Et voir un peu ce que tu donnes, hein. Ouais, j'aime bien, j'aime bien. Voir un peu ce que tu vaux. On va un peu tenter quelques figures. On va mettre peut-être un petit chrono pour faire un petit challenge, pourquoi pas. Et après on va faire un bon circuit des familles. On va voir comment tu t'en sors et tu me donneras ton ressenti. À l'issue. C'est parti, t'as les clés de la chaîne, c'est ouais. À toi. C'est à moi? Bon, je prends le contrôle de Fitness Fusion. Allez, c'est parti. Dans un premier temps et ensuite les pecs et les triceps. Je vais tester un coup et on voit. Au début, tu peux pas le passer strict. Ah, pas mal. Le deuxième, il sera mieux. Pas mal. Oh. Yes. Yeah. Yes. Yes. Oh là là. Arrête de chauffer. Après, moi, si t'es toi, je prendrais juste un petit peu moins large. Les jambes, ça allait. Peut-être des fois, t'écartes un peu trop les jambes. Garde bien les jambes serrées. En fait, t'as deux astuces. Premièrement, moi, j'ai toujours prendre largeur épaule et le grip. Par exemple, quand tu es en traction, t'es comme ça. Ouais. Légèrement comme ça. Le strong grip, ça s'appelle. Les mains légèrement engagées. Légèrement, peut-être pas autant, c'est un peu dur. Légèrement engagées. Et ce que je conseille, c'est de serrer les jambes. Ce qu'on peut faire quand tu passes le muscle, soit on fait le front et après, on peut faire un circuit de muscle, dips. Que le front, tu vas pas l'avoir. Le front, c'est comme ça. Ouais. Soit on reste en... Le mieux, c'est que tu resserres le muscle avec les conseils pour voir s'il y a une diff. Ouais, déjà plus serré avec les jambes. Ensuite, on fait un peu le front. Les pieds, on va mettre en. Il a plus de force. Non mais c'est cool, on va pas cramer. Il a plus de force. Franchement c'est propre, hein. En vrai, il s'entraîne bien comme il faut, les 10, je les passe. On va s'arrêter là, je pense que tu as déjà cramé, j'étais pas bien sur la barre. Quand tu fais un truc différent, moi c'est tu me mets à faire de la muscu pendant 2 heures, je vais être pas bien aussi. C'est normal, ton corps n'a pas l'habitude, mais je donne un conseil, si tu fais de la muscu, toi qui me regardes, mets du poids du corps quand même. Pompe, traction, dips, mais hein, honnêtement, moi, je voulais... c'est de la bombe, c'est de la bombe. Je voulais toujours conseiller les gars, en fin de training, un petit circuit à base de pompe, traction, c'est l'idéal. Vous allez sécher, vous allez prendre du muscle, un peu d'endurance, c'est toujours bon à prendre. Alors, le front lever, ça c'est une de mes figures préférées. Le front lever, figure assez difficile, vraiment, c'est rare de la réussir du premier coup comme ça. On est là. Ça c'est pas humain. C'est du jus, frère. La gravité, logiquement, elle te fait tomber. Toi, qu'est-ce qui se passe là? Qui m'a donné du mal de ouf. Je la bosse pas trop en ce moment, c'est le statique, c'est pas trop mon dada. L'astuce, ça vient du grip déjà. Et un conseil, ça aussi, ça dépend des personnes. Moi, j'aime bien resserrer les scapulaires. Vraiment resserrer les scapulaires. Et un travail avec l'élastique, ça peut être sympa. Vois ce que ça donne comme ça. Si tu le passes comme ça, je m'en vais. Ah, si tu le passes comme ça. Je m'en vais, hein. Ah, c'est tout dans le dos, je le ressens, d'accord. C'est tout dans le dos, tu vas bien sentir le dos. Honnêtement, c'est pas dégueu! Oh. Ouais, mais non, pour tenir, c'est trop dur. C'est quoi? Je sais pas comment c'était, mais. Non, le gainage, c'était dur. Là, ce qu'on peut faire avant que ce soit trop cramé, on peut se faire un petit circuit d'endurance. On peut essayer. En ce moment, je fais de la force, les gars. Donc l'endurance, elle est plus là, je le sais. On peut essayer. Là, c'est l'endurance de force. On va faire 3 muscle-ups, 25 dips, 15 tractions, 30 pompes. Le but du jeu, c'est de finir à moins de 3 minutes.
Ah, ça va plus là. J'ai dit ça va, mais ça va plus. La règle du jeu. 3 minutes. La règle du jeu. Toute série commencée ne doit pas être cassée. Quoi. Fais honneur. Fais honneur, gros. 2:38, t'enlèves 5 secondes le temps que j'arrive, allez. Allez, 2:30. Franchement, bien joué. C'est pas donné à tout le monde de le faire, honnêtement. Sérieux ? Tu as l'habitude de faire de la force, c'est vraiment bien. Et les reps, elles étaient vraiment propres. C'était bien sympa. Allez voir ça, les gars, il y a du bon. C'est du divertissement, c'est du sport, vous allez kiffer. Et puis, c'était Fitness Fusion de la FF. Vous étiez en présence de Eddie Joe, Force. Et fun.